Salut tout le monde, c'est Zozo l'oiseau et aujourd'hui je vais vous présenter encore une collection de mes jeux PS3, mais comme l'autre fois c'était il y a longtemps, il y a presque un an, bah je vais vous la représenter et puis je vais vous présenter un peu d'autres choses aussi. Donc j'aurai une surprise pour la fin. Ah oui, attendez, je fais un truc. Voilà. Donc on va commencer par deux jeux que j'ai jamais touchés. Rise of the Arknaut et la légende de Beowulf. Bon, en fait, je sais pas pourquoi j'ai acheté ces jeux. Alors, vous avez Payday 2. Un jeu de braquage. Bon, il y en a peut-être que j'aurais déjà présenté dans ma collection de jeux PS3, machin. Voilà, c'est un jeu de braquage et tout. Attendez. Désolé. On a Skate 3. Un jeu de skate. Voilà. Un peu plus simple. On a Far Cry 3. Alors c'est un jeu où vous êtes dans une île. Et après vous vous faites kidnapper par des pirates et tout. Ouais, mais moi, ce que je trouve assez bien dans le jeu, c'est que vous pouvez vous faire attaquer par des animaux et c'est super réaliste. Voilà. Dirt 3, jeu de voiture, rien de plus simple. Spec Ops The Line, j'ai joué 5 minutes peut-être. Voilà, 15 euros. Je rigole. 15 euros, bon. Du coup, c'est au mois 18, je crois pas. Hein. Voilà. Need for Speed Most Wanted. Un jeu de voiture où vous devez faire des courses, semer les flics et tout pour customiser vos voitures et machin. Bon, après, il y a deux trucs, machin. Grand Theft Auto 4. Malheureusement, il marche plus. Dommage. Je me rappelle, c'était le premier jeu que j'ai eu. Depuis que j'ai eu la PS3. Donc c'était il y a, allez, 2 ans et demi, 3 ans que j'ai eu la PS3. Grand Theft Auto, Episode from Liberty City. Ça, c'est un peu comme GTA V, sauf que ça met deux extensions, The Ballad of Gethony et The Lost and Damned. Ouais, c'est pas mal. Mais sauf que moi, je joue plutôt à The Ballad of Gethony. Parce que, je sais pas, c'est plus cool. C'est plus cool. Grand Theft Auto 5, vous le connaissez sûrement, hein, voilà. Je vais pas vous le présenter, hein, vous le connaissez, voilà. On a Call of Duty World at War, j'ai quasiment pas joué. Dommage parce que le multi avait l'air bouillant, mais maintenant c'est désert. Call of Duty Black Ops, mon préféré Call of Duty. Il est franchement génial le multi. Black Ops 2. Celui-là, je l'ai un peu moins aimé quand même. Hein. Il est pas exceptionnel. Modern Warfare 2. Le multi, il est bien. Sauf qu'il y a trop de mecs qui cheatent et tout. Enfin, il y a trop de hackers qui hackent les parties et tout. Enfin, vous achetez ce jeu. Attends, il est où? Il est là. Vous achetez ce jeu. Vous lancez une partie multijoueur et vous allez voir. Call of Duty Modern Warfare 3, il est pas mal. Moi, je le trouve pas mal. Il y en a qui disent qu'il est nul, mais moi, par rapport à Black Ops 2, ça va. Je préfère MW3 que Black Ops 2. Donc, Call of Duty Ghost. Le multi est, comment dire, un peu pourri. Mais bon, il y a de bonnes idées, le mode escouade et tout. Donc, voilà, moyen. On va dire. C'est trop The Third. Voilà. Je peux pas vous le présenter non plus. Il est assez connu. Je sais pas si il est. Voilà. Vous avez un peu lu. Voilà. On a Saints Row 4, la suite. Avec encore plus déjanté, avec des super pouvoirs et tout. Regardez, il y a même une arme qui grossit les têtes et au bout d'un moment elle explose. C'est n'importe quoi.
On a Max Payne 3, j'ai pas beaucoup y joué non plus, mais voilà. On peut dire que j'aime bien les slow motion et tout, mais sauf que voilà. Il me convainc pas à 100%. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Ah oui, petite précision, il me manque 1, 2, 3 jeux à peu près, parce qu'en fait, je les ai prêtés à une autre personne. Donc là, normalement, j'ai FIFA 12. Là. Mais sauf que là, je l'ai pas encore. Enfin, je l'ai prêté. FIFA 14. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je vous conseille de la voir. Bien sûr, j'ai changé d'équipe depuis. Là, j'ai Rooney, j'ai Cavani, j'ai quoi, j'ai Nasri, machin, Sirigu. Ghost Recon, Future Soldier, édition signature. Ce jeu est excellent, sauf que je suis bloqué. En fait, ouais, il est excellent parce que je vous le conseille. Vous tapez sur YouTube le test de ce jeu. Vous regardez et vous me direz s'il est bien ou pas. Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Désolé, j'ai un peu du mal. Il est bien, mais là aussi je suis bloqué encore. Battlefield 3. On peut dire que. Ouais. J'aime moyen. J'ai moyen les Battlefield en fait. Battlefield 4. Je sais que ça existe sur PS4. Et que c'est beaucoup mieux. Tiens d'ailleurs, je crois que c'est marqué, voilà. Merde, c'est pas. Ouais bon, on s'en fout. Oh putain. Bon, je fais une ellipse le temps que j'enlève toute la rangée là. Allez, ellipse. Donc voilà, on se retrouve, vous voyez le gros bordel, voilà. Donc on passe à la deuxième, oh putain ça fait bizarre. Donc Motorstorm, voiture Motorstorm Pacific Rift. Ah, celui-là je l'ai bien aimé, Motorstorm Apocalypse aussi, il est pas mal. C'est genre, y a des bâtiments qui s'écroulent, faut les esquiver, machin. Putain, pourquoi c'est fou voilà. UFC Undisputed 2009, UFC Undisputed 3. Oh, oh merde. Un jeu d'UFC, hein. Je crois que vous connaissez, hein. C'est de la baston, de la pure baston. Les blessures sont bien faites et tout. Donc Assassin's Creed Révélation, hein. Bon, vous connaissez Tony Hawk Frag. C'est un jeu de skate. Sniper Elite V2, il y a le V3 qui va sortir. Burnout Paradise, c'est un jeu de voiture. Sleeping Dogs, Skyrim, Battleship, Resistance 3, Gran Turismo. Enfin, la deuxième rangée, à part quelques jeux. Voilà quoi. Voilà. Bon, après, vous avez Just Cause 2, soit le jeu le plus pourri que j'ai. Le jeu le plus pourri. Fallout 3. Vous le connaissez bien sûr, Red Dead Redemption, c'est pareil. Vous le connaissez. Mortal Kombat, c'est un jeu de combat, mais normalement vous connaissez. Mafia 2, c'est un jeu de mafia, bien sûr. Rugby World Cup de 2011, comme vous vous en doutiez, c'est un jeu de rugby. W12, je l'aime pas, mais c'est un jeu de catch. Et London 2012, ça j'aime bien ce jeu, c'est un jeu des Jeux Olympiques. Donc je refais une ellipse pour remettre tous les jeux. Allez. Donc voilà, après m'être cassé la tête à tout ranger, c'est bon. Donc la petite surprise, je vais vous la montrer. Attention. La PS4, et oui la PS4. J'ai pas voulu la présenter depuis le temps que je l'ai. Ah, allez, arrête d'être flou là. Ah oui, et la petite surprise, voilà, c'est la PS4 et les deux jeux. NBA 2K14, un jeu de basket hyper bien. Et Assassin's Creed 4 Black Flag, il est aussi bien. Donc, hop. Sans putain de. Là. Voilà.
Je l'ai depuis le 20 février 2014. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que au début, comme je l'ai acheté, pas comme la PS3, je l'ai eu en, je sais pas moi, allez, 2011 à peu près. Donc voilà, c'était pas en 2006 parce qu'elle est sortie en 2006, je crois, si je me trompe pas. Alors que la PS4, je l'ai acheté quelques mois après sa sortie. Donc elle buguait encore et donc j'ai dû tout réinitialiser et j'avais fait une bonne partie d'Assassin's Creed 4 Black Flag et là j'ai tout recommencé donc voilà j'étais un peu deg. Bon depuis je joue plus à NBA 2K14 qu'à Assassin's Creed 4 Black Flag parce que je vous avoue que je suis un peu deg. Donc voilà, elle est belle. Peut-être que je vous ferai une présentation un jour sur la PS4. Donc maintenant, vous pouvez comparer. La PS4, je crois. Bon, bien sûr, elle est plus belle que la PS3, ça c'est sûr. Mais je crois qu'elle est un petit peu plus lourde que la PS3, mais ça, je m'en fiche. Ah oui, la manette. C'est important. Voilà. Bon, ça c'est une manette PS3, c'est une nouvelle que j'ai. La manette, je sais, elle est pleine de poussière. Peux la nettoyer avec les mains. Donc la PS4. Ok. Que je l'ai pas touché. Elle est bizarre cette PS4. Hein. Ça me fait flipper, hein. Putain, mais pourquoi elle s'allume? Elle est bizarre, elle. Bon, bah. Je vais vous présenter vite fait. Donc voilà la manette. Bouton share, là. Ah non, merde. Share. Attends. Attendez. Putain, c'est vraiment une vidéo de merde, hein. Putain. Là, vous voyez un peu l'interface. Les jeux s'installent vite. En direct de PlayStation. Ah merde, je dois mettre à jour. Bah écoutez, on va le mettre à jour et on va pas attendre puisque je vais arrêter cette vidéo. Ça se télécharge vite. Donc voilà, c'est une petite présentation à l'arrache. Je sais que c'est une vidéo de merde, mais bon. Vous pouvez comparer les deux. Ah oui, donc le pavé tactile, les boutons, machin, le truc là, comme ça là. Reconnaissance vocale avec les écouteurs. Vous le branchez ici. Hop. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Salut !